L'écoute? Ah oui, d'accord, chef. Alors, Jean, avant de te laisser avec Jérôme, oui. On va faire d'abord un tour ensemble. C'est juste pour caler le procédé. D'accord. Il faut qu'on soit en phase, tu vois, il faut que toi, tu sois en phase avec les têtes de mort, tout ça. Et pour que soit bien en phase, il faut que tu notes dans ta tête l'histoire. C'est rien voir, rien entendre, rien dire. Rien voir, rien... Et tu te le répètes dans ta tête. D'accord? Donc, là, il n'y a rien voir, rien entendre, rien dire. Je vais placer des cartes. D'accord. Comme je pense que ça pourrait marcher, si on est bien en résonance tous les deux, rien voir, rien entendre, rien dire. Alors, j'ai pas le droit de mettre la carte voir avec voir, la carte dire avec dire, et la carte entendre avec entendre. Très bien. Donc je peux mettre entendre ici et là, d'accord, mais pas là, donc j'ai plusieurs possibilités. Pareil pour dire. Dire, je peux la mettre là ou là. Donc il y a 9 possibilités, on peut faire dans tous les sens. Donc on va faire... Voilà. Donc maintenant tu vas faire la même chose, face visible. Comme ça on voit si tu te trompes pas. En ne mettant pas celle qui correspond. Exactement. Et si tu es en bonne résonance avec moi, tu es d'accord que tu peux changer. C'est-à-dire, entendre, tu peux la mettre là. Bien sûr. Ou là. Oui. Donc si tu mets entendre là, il y a tout qui bouge après. Absolument. C'est fort. Oui, c'est sûr. Le pire, c'est que si toi tu as mis entendre là et moi j'ai mis entendre là, ce serait le pire. Ça serait un miracle qu'on ait mis dire, dire, voir et voir. Mmh. Et pourtant, moi, j'ai mis voir ici, dire là, et entendre. Et on n'était pas de connivence. Je crois que tu es prêt pour la suite. Là, c'est bon, t'es bien là en, je commence, oui. Tu es bien en phase avec le tour, rien voir, rien entendre, rien dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... J'aurais pu avoir ça. Et oui, c'est ça. Non, j'aurais pu avoir... Tu en changes un, tu changes tout. Bien sûr. Exactement. Non, tu vois, oui, tu peux pas. Si, tu changes par exemple celui-là, rien dire. Oui. Celui-là, tu le mets là. Exact. Et il n'y a rien qui va. Oui. Très bien. Ça, c'était déjà bien. C'est déjà, c'est oui, petite, c'est déjà bien. Une petite mise en bougie. Vu que maintenant que tu es bien en phase avec, avec ces trois statuettes, je te laisse avec Jérôme, il va te faire la suite. Très bien. On y va. J'espère qu'il va t'en mettre encore plein la vue. Donc, il va partir sur le même principe que le green neck, plus ou moins, avec les diamants ou... Mais il va te faire un petit truc en plus que là, tu te dis, mince, là, ce moment-là, il y a un miracle qui s'est passé. Et on aura le même résultat, c'est ça? En mieux. Ah bon? En mieux, eh oui. Ah bon? Bon, je demande à voir. De toute façon, le matériel, il reste là. Il va juste rajouter un tapis parce qu'il aime bien. Ça fait joli. Mais on y va, c'est parti pour allez, pour c'est parti. Suite. Allez, Jean, je vais te montrer un petit truc qu'on a mis au point. T'as vu trois petites statuettes. Une qui ne voit rien. Une qui ne dit rien. Et une qui n'entend rien. Et bien dans ce tour-là, je vais essayer de faire exactement la même chose. De ne pas regarder, enfin du moins je vais pas regarder. Je vais bien évidemment ne pas écouter. Et toi aussi, tu ne vas rien dire. Autrement, il n'y a aucun intérêt. Donc tu peux examiner ces trois petites statuettes. Tu peux examiner également les sacs qui sont à côté de toi. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas suivre mes instructions. On est bon ? Donc tu peux tout examiner. On est bon. On est bon. Ça tient pas trop, mais c'est bon. On est bon. On va rester comme ça. Allez, je me retourne. D'accord. Donc au moins comme ça, tu me fais confiance, on voit bien que je vois rien. Alors, que fais-je? Alors, Jean, je vais te demander de penser, ne serait-ce qu'à un des trois, on va dire, symboles, une des trois têtes de mort. C'est fait. Tu y penses, d'accord? Et celle que, et les deux, donc les deux autres que tu n'as pas choisi, de symbolique, tu les inverses. C'est fait. Donc, d'accord, et moi, à ce moment-là, si je me retourne, forcément, je peux en déduire ce que tu as choisi. Forcément. Donc, je vais pas le faire, donc je ne vais rien regarder. Maintenant, tu vas prendre n'importe quel des sacs qu'il y a sur la table. Oui. C'est bon. Et tu vas le poser sur une des têtes de mort. C'est fait. Un deuxième sac sur une autre silhouette. Et le dernier sac, bien évidemment, sur la dernière des petites figurines. C'est fait. Là, pour l'instant, on est sur le même principe. Donc, tu es d'accord avec moi que jusqu'à là... Pour l'instant, si je ne me retourne pas, c'est impossible de savoir. Donc, je ne vais pas me retourner.
Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chaque sac qui est respectif à sa petite silhouette et tu mets la petite tête de mort à l'intérieur. Et bien sûr, tu fermes le sac, hein, bien évidemment, comme ça ne tient pas trop sur la table, qu'on ne puisse pas dire que le sac n'est pas fermé et que je vois, on va dire, l'intérieur du sac. Donc, je veux vraiment que tu fermes. Et bien sûr, tu fais ça pour toutes, bien évidemment. C'est fait. Donc, est-ce que tu peux dire que je ne peux pas voir à l'intérieur ? Ah, c'est clair. Je suis incertain, je peux me retourner ? Oui, oui, tu peux. Maintenant, je vais te demander un petit truc. C'est bon, c'est sûr, hein ? Oui, oui, c'est bon. Je vais me retourner. Ce que je vais te demander pour embrouiller encore plus, c'est que toi-même, tu vas prendre les sacs et tu vas comme ça les mélanger. Mais vraiment, enfin, tu les mélanges vraiment... comme je le voudrais. Une par une, deux par deux, trois par trois. Ouais. Très bien. Vas-y, je te laisse faire. C'est sûr, c'est à partir de là que ça se complique parce qu'il a le dos tourné. Donc tu prends et vraiment deux par deux comme ça, ou trois par trois, ou un par un, tu les déplaces. C'est fait. C'est bon ? Oui. Tu les as écartés ? Je vais rien toucher. Non, hein, problème. On ne puisse pas dire que je peux retourner ? Oui, oui, bien sûr. Maintenant, c'est là où ça va se passer et que c'est vraiment magique. C'est que je vais essayer de capter quelque chose. Regarde bien. Je vais essayer de mentalement de mémoriser qu'est-ce que tu as pu faire. Entre rien voir, rien entendre et rien dire, tu as pris la silhouette, et d'ailleurs tu l'as très bien fait, qui est de ne rien dire. Oui. Et le rien dire est dans ce sac-là. Il me semble que oui. Je te laisse ouvrir, moi je touche rien, mais si c'est ça, c'est quand même un miracle. J'ai deviné où était ta silhouette, et en plus, quelle silhouette tu avais choisi, et c'est bien ça. Impeccable. Bizarre, hein? Oui, t'as tué là. Oui, oui. Oui, parce que connaissant le tour de base. Mais oui, le tour de base. Ça reste au niveau principe. Enfin, au niveau. Pas principe, parce que le principe n'est plus le même. Mais au niveau effet, méthodologie, le même que les diamants. Oui. Mais avec un plus qui. Mais comment c'est possible? Parce que. Parce qu'il a le dos tourné. C'est ça qui est. Oui, bon. Comment c'est possible? On ne va pas dévoiler celui du diamant, mais. Exactement. Le diamant, il faut se retourner quand même. Là, non. C'est très bien. Mais là, c'est surtout que je te dis dans quel sac et en plus, qu'est-ce que tu as choisi. Très bien. Non, non, c'est bien. Peut-être que la vraie magie, ça existe. Donc voilà, donc c'est qui ça sait qu'on, c'est qui ça sait qu'on va vendre. Donc, j'arrête pas de le dire. Ces petites silhouettes. Oui, c'est bien. Par contre, il faudra prendre qu'elles tiennent mieux. Hein. Et non, mais ça ne tient pas sur le tapis. Oui, c'est le tapis. J'aurais dû te le faire sur la table. Ouais. Mais là, j'ai voulu le faire sur le tapis parce que c'était plus propre. Non, non, c'est ça tue. Donc voilà. Ça tue. Ça va plus loin que ceux qui ont fait le tour des diamants, où on sait très bien qu'à un moment, il faut se retourner. Là, quand ils se retournent, c'est trop tard. Et ouais, tout est fermé. Et en plus, ils dévoilent avant d'ouvrir, c'est ça qui est beau. Oui, très bien. Bon, ils ne te parlaient pas à toi, j'espère. Non. Bon, c'est très bien. Donc voilà, petit effet de salon. C'est bien pour tous, surtout ceux qui aiment ce genre de... Bah ça fait joli avec le fait de dire rien voir, rien entendre, rien dire, ça va plus ou moins un peu avec la routine. Si on l'agrémente un petit c'est très bien. Je vais essayer de rien voir, d'habitude, tu vas c'est rien singes, me dire. Hein. D'habitude c'est des singes, mais pourquoi pas. Oui, c'est des singes, effectivement. Bah, c'était des singes avant. Bah, c'est, oui, c'est, oui, c'était des singes. Oui, c'est des singes quand ils étaient vivants. Voilà. Oui, oui, d'accord. Donc voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Hop. C'est good. Alors, je vous montre quelque chose à tous. Allez, c'est parti. Donc, je me retourne. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est de penser à une des têtes de mort. Une des figurines. Juste y pense. Hein. D'accord ? C'est bon ? Maintenant, une fois que tu as pensé, les deux autres que tu n'as pas choisies, tu vas les inverser. Tu vas les changer de place. C'est fait ? Ça y est ? Très important, je vais le faire dos retourné. Je te laisse faire. Donc tu prends deux sacs, tu les intervertis, t'en prends deux autres, ainsi de suite, et tu fais ça autant de fois que tu le désires. C'est fait ? Oui. Je peux me retourner ? Oui. T'imagines qu'à ce moment-là, il est impossible pour moi de savoir quoi que ce soit. C'est-à-dire que... Ah, tu redécides. C'est-à-dire que... J'ai, toutes les opérations que je t'ai demandées, je les ai faites dos retourné. Je ne pouvais rien voir. Peut-être entendre quelque chose, mais tu as fait ça quand même relativement
J'ai rien entendu et bien sûr, tu m'as rien dit. C'est le plus important. Regarde bien. Je vais essayer de deviner quelque chose. Tu as choisi... Rien voir. Et il est ici. C'est une affirmation. Ici, il a rien entendre et rien dire. Je récapitule, tu as choisi la figurine rien voir, comme ça, et elle est ici. Rien entendre et rien dire. Rien entendre et rien dire. C'est alors bizarre, là, ça, quand même. Là, bravo. Là, c'est bizarre. Là, bravo, bravo. Tout ça retourné. Je sais que ça te rappelle... ça te rappelle un des... Les diamants. Un des, voilà, un des principes, mais qui là, maintenant, comment c'est possible? Étant donné que tu fais tout retourner. Ouais, non, là, y a et plus le truc, c'est que je devine avant, et je sais pas si tu as remarqué, mais... Quelles figurines sont dans quel sac? Bien sûr, avant de dévoiler, je vais pas dévoiler l'astuce, mais j'arrive à savoir l'emplacement et en plus que tu as choisi avant d'ouvrir les sacs. C'est bizarre, ça. Ouais, donc voilà. Bon, là, j'ai tiré, j'ai un peu défait les trucs. C'est pas grave. J'ai pas pu le serrer bien. Mais là, voilà. En plus, c'est moi qui mets les sacs où je veux. Ouais. Je bloque. Bravo, bravo, bravo.